choses ont été créées par la parole. Ce dont tu as besoin se trouve dans la parole et nulle part ailleurs. Et tu me donnes la force du pur. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et ce n'est pas une nouvelle année qui nous apporte de nouvelles choses, mais c'est plutôt une nouvelle révélation qui nous amène dans une nouvelle dimension. Le Seigneur te lave. Il essuie tes larmes. Il te donne une nouvelle robe. Il te donne une huile fraîche. Il te donne la force du buffle. Il te dit le temps d'un nouveau départ. Vas-y. Maintenant, marche. Dans une nouvelle onction. Poussons les cris de joie vers le rocher de Jacques. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons affaire à un grand Dieu. Le Dieu qui a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que nous devons nous réjouir ce matin, d'être dans sa présence afin de l'écouter, car le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, celui que nous prions, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a arrêté dans son plan, il le réalisera. Ce qu'il a arrêté pour toi, il va le réaliser. Si tu peux croire à cela, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Si tu crois à ces choses dans ton cœur, tu vas être en train de ressentir des choses bouillonner. Car lorsqu'on est au rendez-vous avec l'Esprit, dans sa mouvance, on est emporté par l'Esprit. Et l'Esprit a teste à notre esprit que ces choses sont oui et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort? Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer très fort? Y a-t-il quelqu'un qui peut rentrer déjà dans le sphère? Le Dieu du sanctuaire est présent. Nous élevons El Shaddai. Nous élevons El Shaddai. Je suis en train d'élever El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu fidèle. J'élève El Shaddai ce matin. J'élève El Shaddai. Ce matin, je viens vous parler de sa part. Je viens vous parler de sa part. Car il est écrit. Il est écrit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Mais comme nous parlons selon la loi et le témoignage, le peuple doit voir l'aurore. Je dis bien que le peuple de Dieu doit voir le rang. Eh bien, nous sommes dans notre texte de base, nous lisons dans le psaume.
Psaume chapitre 92, verset 11. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Et tu me donnes la force du buff. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Nous avions dit, mes frères et sœurs, que le thème ou l'oracle de cette année, c'est que marche dans une nouvelle onction. Cela est très important, mes frères et sœurs. Parce que je vous ai dit que je ne suis pas encore allé dans la profondeur de cet oracle. Je ne fais que proclamer, déclarer la parole de Dieu pour que vous saisissiez la pensée de Dieu avant que nous ne puissions avancer. Nous disions en ces lieux que Dieu nous a demander de réparer le brèche. Il y a eu un autre oracle qui nous appelait à réparer le brèche. On vous appellera les réparateurs de brèches. Ceux qui rendent le pays habitable. Là, nous disions quelque chose de très important. Que lorsque Dieu nous a demandé de réparer le brèche, il voulait nous faire comprendre ceci. Qu'il y a eu des portes spirituelles dans nos vies par lesquelles les esprits se sont introduits dans nos vies, dans nos affaires, dans nos familles ou même dans nos églises. Parce que vous n'allez jamais l'ignorer, mes frères et sœurs. Que quelqu'un a dit ceci. Que lorsqu'un homme pêche, il ouvre la porte de sa vie à l'ennemi. C'est ainsi que, ayant ouvert ses brèches, l'ennemi et ses puissances démoniaques sont rentrées dans nos vies. Et cet ennemi a commencé à nous infliger pas mal de souffrances. Pas mal de souffrances, de difficultés, de malheurs. Minyoko, mikakatano, ya ndenge na ndenge. Des grincements de dents. Kolia ya mino. Des chèques. Kokakema, kokueya. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des brèches qui ont été ouvertes dans notre vie. Alors Dieu te dit, répare ce brèche. Ferme toutes ces fissures, tu dois les colmater. Alors quand par ces portes, le ténèbre avait envahi nos vies. Parce que les portes ont été ouvertes. À partir des erreurs que nous avions commises. De certaines failles. Et les ténèbres ont envahi nos vies. Alors quand nous arrivons à l'an 2020. L'Éternel vient nous parler. Lève-toi. Téléman. Lève-toi. Téléman.
sois éclairé. En d'autres termes, sors maintenant de ces ténèbres. Sors de ce lien. Sors de ces difficultés. Lève-toi. Sors. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Alors, je vous ai dit, mes frères et sœurs, on ne se lève pas pour rester immobile. Lorsqu'on se lève, c'est pour agir. On se lève pour marcher. Alors, on a réparé le brèche. On est sorti de la lumière, de la ténèbre. Maintenant, on doit marcher. Écoutez, nous sommes encore au premier dimanche de l'an 2021. Le tout premier dimanche. C'est aujourd'hui ta première semence. C'est aujourd'hui ou jamais tu dois faire un nouveau départ. C'est aujourd'hui ou jamais tu dois prendre de l'envol. Alors, il vient et dit, tu me donnes la force du bifle. Boye aye alobi opesingai makasi yampakasa. Nous expliquerons ça plus tard. Tokolimbo lango mikolekoya liboso. La force du bifle. Makasi yampakasa. Nous avions dit la force parce que nous étions fatigués. Tozolo bela makasi pambate to limbaki. L'an 2020 n'a pas été meilleur pour nous. Blocage, souffrance, perte des œuvres de cette chair, confinement, refroidissement, la peur, le désespoir, le chômage, divorce, une rupture d'une relation amoureuse, graissement des dents, mon cœur était touché, on a été malade, pauvre. Mon enfant, je te connais, mais pour que tu puisses aller loin, tu as besoin d'une force. Ozana bosenga ya konzo makasi ya sik. La force du bif. Makasi wana ezaya pakasa. Parce que tel que je te vois là, pamba te tam ndenge na omona yo wana, aucune exhortation malilendisi ne peut te faire du bien. Eko sunga yo te ko salo bolamu te. Aucune autre parole ne peut te sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Te sortir de ton malheur. Te sortir de cette épreuve. Et quand tu penses, ton âme est abattue au dedans de toi. Mais voici ce que tu vas repasser dans ton cœur. Tu me donnes la force du bif. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui doivent être encouragés. Mes frères, nous prêchons un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant qui nous connaît tous autant que nous sommes. L'Éternel, le Dieu de cet esprit des prophètes, a vu nos cœurs. Il a vu notre souffrance. Il connaît ton problème. Suis-je en train de m'adresser à quelqu'un ce matin? Que puisse dire que j'entends Dieu me parler. Ne voyez pas cet homme qui se tient devant vous, mais voyez au travers lui la puissance de Dieu et le Dieu tout-puissant qui vous parle. Et je suis arrosé d'une huile fraîche. C'est comme ça qu'il te dit, maintenant que tu te sois levé,
marche dans une nouvelle onction. En d'autres termes, marche selon l'onction du jour. Je pourrais encore ajouter ceci. Marche selon l'onction de l'an 2021. Est-ce que les aigles sont là? Ils savent qu'il y a une nouvelle dispensation que Dieu va devoir répandre en cette année pour aider ses enfants à bien marcher. Y a-t-il quelqu'un qui puisse comprendre que Dieu a réservé une nouvelle dispensation de l'onction en cette année? Tu dois marcher selon une nouvelle onction. L'onction que Dieu nous a réservée en cette année nouvelle. Elingi koloba pe lisusu tambola landisama epakwa ya mbula koto mibale na tuku mibale na moko zambi bapongo soki bazali bakoyebete mvula ya sika oyo ezana eleko ya sika oyo nzambe abombeli biso. Ce que nous devons faire, mes frères et sœurs, otosengeli kosala bandeko na ngai mibali basi, c'est éveiller toujours à notre onction pour que cette onction soit une onction du jour. Nous devons veiller à cela. C'est très important. Regardez, mes frères et sœurs, la traversée des enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël sont libérés de la captivité égyptienne. Ils entrent dans le désert. Ils sont en train de la traverser pour aller vers la terre promise. Et là, mes frères et sœurs, ils vont devoir expérimenter la main de Dieu. Dieu va pouvoir à leurs besoins en leur donnant la manne. Mais quand nous parlons de la manne, nous nous souvenons, mes frères et sœurs, qu'il y avait quelque chose d'important que nous ne saisissons pas. La manne, lorsqu'elle était donnée aux enfants d'Israël, elle devait la manger le même jour. Si elle la gardait pour la manger le matin, cette manne n'était plus consommable. C'est très important. Et pourtant, c'était un don de Dieu. Mais on devait la manger le même jour. Demain, c'était un autre jour. Demain, Dieu donnait encore de la manne. Tu la manges et tu dois. Tu dois la terminer. Et t'attendre à une autre manne. Tu ne peux pas te dire que je prends cette manne, je mange une moitié, je vais garder une autre pour. Ce n'est pas ça la leçon que Dieu voulait donner. Nous sommes là dans Exode chapitre 16. Un don de Dieu. Quand tu la gardes, ça pourrit cette manne. Elle n'est plus consommable. Quand tu la consommes, ça y est. C'est pour ce jour-là. Demain, il y a encore une autre manne. Mais nous, mes frères et sœurs, nous avons gardé des vieilles mannes. Et nous voulons les manger chaque jour, Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé? Amen. En beaucoup mité. Dans le comité. Amen.
Et là, dans le dessert, on nous parle de la nuée et de la colonne de feu. Lorsque la nuée s'arrêtait, ça nous aimons bien dire, le peuple était là en train de camper. Mais lorsque la nuée s'est déplacée, que faisait le peuple? Hein? Le peuple faisait quoi? Il faisait quoi? Arrivez déjà. Rejoignez-moi. Il faisait quoi? Mais pourquoi nous ne voulons pas suivre la nuée quand elle se déplace? Nous voulons rester là où elle est. Et bon, pour la nuit, biso, tolinga kolanda li patate o se ningani ke li bosona biso, tolingi ka kotika nesika moko. Beaucoup sont restés là où la nuée s'était arrêtée. Et belé batika la ka esika li patate le makapona bango. Ils ne veulent plus se déplacer. Tolingi ko kenda li susu li bosona. Je suis en train de dire des choses. Tika ete makambo e koma. Ils disent ici, la nuée s'est arrêtée. Balobi, ah ouais, li patate le maki. Alors je reste ici. Dieu ne te demande pas de rester là. Comme elle s'est déplacée, déplace-toi aussi. Peu importe ce que tu as vu ici. Peu importe la lumière que tu as eue ici. Mais elle s'est déplacée. C'est ça le vrai problème des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas se déplacer. Ils veulent rester dans leur confort. Si Pierre était resté dans son confort, dans cette barque, il n'allait pas marcher sur le sol. Mais quand tu l'as accepté ce risque, il a marché sur les eaux. Déplace-toi. Dis à celui qui est à tes côtés, déplace-toi. Amen. La nuée est en train de partir. Marche avec elle. Lorsque vous serez entré dans ce village, vous trouverez un homme qui porte une cruche sur la tête. Allez, suivez-le. Suivez cet homme-là. Suivez-le. Suivez le déplacement de la nuée, de la colonne de feu. Tu dois suivre. Tu dois toi aussi te déplacer. Ok? Ce qui est commun dans le monde, c'est que les locaux, beaucoup, mes frères et sœurs, sont restés dans la révélation d'hier. Et pourtant hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. La Bible dit un flot appelle un autre flot. Je ne dis pas que la révélation d'hier est mauvaise. Dieu te l'a donné pour un but. Zamba pesa ki yango pona tina. Le monde dit ceci. Hein? Autrefois. Autre mœurs. À chaque jour, suffit sa peine. C'est Dieu t'a parlé hier. Mais tu dois avancer. C'est ce qui a tué l'église. Elle est restée appuyée sur les révélations d'hier. Alors qu'une révélation appelle une autre. Les écritures déclarent que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous avons compris cette prière? Boni, to sosoli le sambo oyo. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pesa biso lelo, lipana biso ya mokolo na lelo. Matthieu 6:11. Matthieu 6:11. Je parlais de la manne. Na lobeli mana.
chaque jour mokolo na mokolo. Quand elle tombe tu la manges. Si tu la gardes elle n'est plus consommable. Et il s'est dit awalobi, quand vous priez sambela, dites boloba, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En d'autres termes, donne-nous le pain d'aujourd'hui. Marcher dans la nouvelle onction, c'est manger le pain d'aujourd'hui. Si tu ne marches pas dans, selon l'onction d'aujourd'hui, tu ne vas pas manger le pain que Dieu donne aujourd'hui. Le pain chaud. Moi j'aime bien le pain chaud. Hein? Ça fait du bien le pain chaud. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Hier, il s'est fait des choses. Pourquoi? Hier, il s'est fait des choses. Si Dieu a fait des choses hier, c'est avec les moyens et la connaissance d'hier. Dieu a fait des choses hier avec les moyens et la connaissance d'hier. Mais aujourd'hui, il y a encore des moyens et la connaissance d'aujourd'hui. Ah. Je voudrais redire ça d'une autre manière. Hier, il y a eu des moyens que Dieu a utilisés pour résoudre les problèmes avec une certaine connaissance. Quand je parle de la connaissance, je voudrais parler d'une certaine révélation. Ça valait la peine pour hier. Mais aujourd'hui, face à ce problème qui nous attend, nous avons besoin d'une nouvelle onction. Amen. Dieu veut te dire ceci. Retiens cela. Les choses qui nous attendent en 2021 vont nécessiter une fraîche, une huile fraîche, une nouvelle onction. Souligne cela, mes frères. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à pleurer. On va parler de l'onction fraîche. Pourquoi je vois ces choses? Oui. Dieu ne donne pas une nouvelle chose pour rien. Est-ce que tu comprends? C'est qu'il y a des choses sérieuses qui nous attendent devant. Les grands défis de l'an 2021 ne pourraient être relevés qu'avec une nouvelle onction. Souligne cela. Même dans ta famille, même dans ton mariage, dans toutes tes entreprises, même sur cette nation, c'est ainsi parle l'Éternel. Dieu est en train de sélectionner une armée. Je dis, Dieu est en train de sélectionner une armée. Cette armée a une chose. Qu'elle se retenir. Que hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je dois rentrer en marchant selon la nouvelle onction. Pour relever des grands défis. Je parle des grands défis. Alors si maintenant, mes frères et sœurs, alors que nous ne sommes pas encore allés dans la profondeur de la pensée de Dieu, tu n'as pas compris cet oracle, tu n'iras pas loin. Tu vas toujours pleurer jusqu'au point de dire c'est toujours la même chose. On nous donne toujours des oracles. En dépit de tout, nous ne voyons rien. Voilà que des épreuves dans
dans ma vie. Voilà les difficultés. Tu devrais comprendre que ce maintenant où tu dois ouvrir ton cœur. Amen. Ce maintenant où tu dois t'ouvrir à Dieu pour rechercher. Je dis bien pour rechercher de tout ton cœur. Le lundi tu es là. Le jeudi tu es là. Le dimanche tu es là. Dans ton cœur, tu dis à Dieu, donne-moi la force du buffet. Arrose-moi de cette huile fraîche. Parce que j'ai compris que tu ne parles jamais en vain. Toi, tu vois déjà ce qui est en train d'arriver avant que cela n'arrive. Parce que les choses qui vont se passer en l'an 2021, que ce soit dans ta famille, Dieu le sait déjà. Que ce soit au lieu de travail, Dieu le sait déjà. Que ce soit dans ton église, même dans cette nation, Dieu a déjà tout vu. Maintenant, il te dit, tu as besoin d'une onction fraîche. L'avantage, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui a déjà tout prévu et tout pourvu. Litomba ezali ete to na nzambe oyo asa bongisi nyonso asipe a yanoli nyonso. Maintenant la balle est dans notre côté. Ça ça et puis ndembo eza na ngambu na biso. C'est à nous maintenant. Et pe sameli biso sikoyo de marcher. Ya kotambola. Oh, tu voudrais voir des gens abandonner leur lit au milieu de la nuit, le chercher, disant, Seigneur, je viens parce que j'ai besoin de cette huile fraîche. Arrose-moi de cette huile fraîche, Seigneur, je viens, j'en ai besoin. Donne-moi la force. Zamba na posa, comme on a battu koti kambe tu na bango, kola la tana mabele kolo banzambe na ye, o pakolanga mafuto ya sika, o pesanga makaso ya pakasa. Alléluia. Amen. L'Église aujourd'hui a besoin d'une nouvelle onction. Église est allée là et Sengeli n'est pas quoi yasika. Du réveil d'aujourd'hui. Bon l'amour est allée là. Et nous devons rechercher cette onction. Peut-être Sengeli koluka et pas quoi. Parce que nous sommes en retard. Pambate toza simayatamo. L'Église du Seigneur est essoufflée. Église est encore les huit pema. Elle est même en train de subir les mêmes choses que le monde. Quand on parle de confinement, elle est aussi confinée. C'est pas normal. Nous devons être la lumière du monde. Nous sommes à la fin des temps. La maison de l'Éternel doit être élevée au-dessus de toutes les autres maisons, au-dessus de toutes les montagnes. Alléluia. Amen. Et tout ça, mes frères et sœurs, c'est parce que nous n'avons pas l'onction du jour. Il nous manque quelque chose. Le monde d'aujourd'hui est en train de marcher selon un principe. C'est le principe de l'évolution. Mais pourquoi l'Église doit-elle avoir des concessions avec les membres? Allons voir les autorités. On doit négocier. Nous devons avoir de veiller les 31 décembre. Il faut avoir des concessions avec l'État. Oh, l'Église du Seigneur, ce n'est pas possible. Nous avons besoin du réveil d'aujourd'hui. Tu me donnes la force du Bible. Dis à celui qui est à tes côtés, tu me donnes la force du Bible. J'aimerais dire à quelqu'un qui est maintenant sans force que la force dont je parle viendra de Dieu. Est-ce que tu comprends? Même si tu étais abattu, mon frère, toi seulement. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, j'écris, c'est comme ça que je parle. Tout est dans sa parole. Si tu crois à cette parole, une
force va entrer dans ton cœur, même dans tes membres. Paul pouvait dire que je suis depuis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu là. Il est capable de faire de grandes choses. Oui, mon frère, ma soeur, tu as réparé des brèches. Oui, tu es devenu un vase d'honneur. C'est ainsi que Paul, s'adressant à Timothée, lui dit que dans une grande maison, il n'y a pas que de vases d'honneur et de vases d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont le vase d'honneur et les autres sont un usage vil. Alors il dit, mais si quelqu'un se conserve, alléluia, amen, alléluia, amen, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. C'est très important. Et si nous sommes ce vase, Dieu va nous remplir non seulement de sa force, mais aussi de son onction. Quelqu'un qui a une nouvelle onction, il devient lui-même un homme nouveau. Car tu seras changé en un autre homme. L'onction fraîche te fait changer, te change en un autre homme. Tu vas toi-même l'expérimenter. Tu t'en rendras compte. Mais quand tu seras en train d'adorer ton Dieu, quelque chose s'est passé. Il y a un travail que Dieu a opéré dans ton cœur. Il y a une force qui t'a saisi pour le service de Dieu. Il y a une force qui t'a saisi pour adorer, pour marcher de la part de Dieu. Tu auras compris qu'il y a une force qui t'a envahi pour défier les puissances de ténèbres, les esprits qui te combattaient hier. Lorsque tu vas apparaître quelque part, ça va bouger, ça va bouger. Je n'entends pas, je dis ça va bouger. Je voudrais que tu bouges au-dedans de toi. Parce qu'on parle des choses nouvelles. On parle des choses nouvelles. Des nouvelles choses. Que notre Dieu, le Créateur des cieux et la terre, mes frères et sœurs, il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un là-haut. Dieu Zambé est là. Azali kuna. Et quand il dit je donne, spécie, il donne. Et rien ne pourrait t'arrêter. Et loko kango. Il a dit qu'il donne la force. Tu dois recevoir cette force. Si tu crois, ce qu'on dit, tu dois recevoir cette force. Alors, mon frère, ma soeur, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Toi-même, tu seras étonné. Je vous ai toujours dit, mes frères, que je n'ai jamais parlé au nom d'un parti politique. Je parle au nom de ce Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à moi comme étant El Shaddai. C'est ainsi. Et pendant que je suis en train de parler, vous sentez le feu et le bruit des tonnerres. Car j'ai été appelé par ce Dieu-là qui m'a dit, tu es prophète, tu parleras de ma part. Je parle
de la force. Je parle de la force. Toi qui t'étais découragé, reviens à Dieu. La Bible déclare que quand on a arrêté Jésus, Simon Pierre a commencé à le suivre au loin. Il suivait Jésus de loin. Dieu ne veut plus que tu le suives de loin. Il dit dans sa parole que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez. Ne le suis pas au loin. Ne le suis pas au loin. Pierre le suivait au loin. Non, tu dois le suivre. Tu dois t'approcher. Je sens des choses se passer. Je n'ai pas besoin de crier. Je suis en train de sentir des choses. Il y a des gens à qui Dieu débouche les oreilles. Ils entendent des bruits. Ça bouge très fort. Ça bouge très fort. Il y a des gens qui sentent, qui se sentent être touchés dans leur esprit. Ils ont envie de prendre l'envol parce que ces choses sont esprit et vie. Pierre le suivait de loin. Approche-toi de Dieu et saisis-le. Quand tu le saisis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras une force extraordinaire. Oya kokesana e kozingela yo. Et l'huile fraîche. Ma foute à sika. Cette nouvelle onction. Et pas quoi ya sika. Que Dieu te donne. Ozamba opé sa yo. C'est pour briser les verrous de fer et les portes de rein. Ah, ezali pona kobuka ba kumba nyonso. Ya ma bende ba kumba nyonso ba sala. Je ne comprends rien. Na oso solaté. Je n'entends rien. Tu briseras le verrou de fer. Je dis, tu vas briser le verrou de fer. Et les portes de rein. Ça va être brisé. Amen. Ainsi parle l'Éternel à Zoé Cyrus. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir des portes. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin. Mon Dieu, je romperai les portes de rein et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Dieu dit ceci, que les portes de rein vont s'ouvrir, même le verrou de fer. Est-ce que vous entendez cela? Il y a eu des portes qui étaient fermées. Les portes de la gloire. Les portes de la richesse. Les portes de l'élévation. Les portes du mariage. Les portes de la prospérité. Et quand vient une nouvelle force, dans une nouvelle onction, ces portes s'ouvrent. Je dis bien ces portes s'ouvrent. Parce que celui qui a une huile fraîche est changé en une autre personne. Mes frères et sœurs, regardez. Lorsque une eau est stagnante, vous voyez des moustiques. Parce qu'elle stagne. C'est juste très sale. Mais l'eau qui coule. Kasi mayo tcholaka.
C'est difficile, mes frères et sœurs. La vieille onction, c'est celle-là. Et pas quoi, c'est quand même maïo et lala. Vous êtes comme une eau stagnante. C'est l'onction, oui. L'eau est là. L'eau est là, mais il y a des mouches, des moustiques. Des macocorodons. Des macocorodons. Mais quand l'eau coule. C'est la nouvelle onction. C'est la nouvelle onction. Et si j'ai un géant, s'il se réveille, rien ne pourra l'arrêter. Réveille-toi et tes filles. Tu ouvriras la bouche pour parler. Toi-même, tu verras des effets. Des effets de ta parole. Alors, Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Écoute, frère, ta bouche a-t-elle été sauvée? C'est un exercice que nous devons faire en cette année. J'essaie de parler de mal des autres. Là, il y a l'onction même dans ta bouche. Quand tu l'ouvriras, il y aura des effets. Parce qu'une bouche qui n'est pas sauvée, peu importe les milliers, la multitude de versets bibliques que tu peux réciter, sera nul et d'aucun effet. Préserve ta langue de la médisance, de calomnie, et que Dieu te donne une autre langue. Une langue brûlée. Ah, l'olemo oyo ba meki yango pe elongi. Marche. Tambola. Selon la nouvelle onction. Landi same pa kwa ya sika. Pour traverser la mer rouge. Bona kokatsa mai monana. Dieu. Zambe. A parlé. Alobaka. Ils sont passés. Mais pour traverser le Jourdain, il fallait que les pieds de sacrificateur puissent toucher le Jourdain et qu'il porte l'arche sur les autels. D'une onction à une autre. Moïse avait un bâton, mais Josué a eu le javelot. À chaque époque, ses moyens, révélation et une onction particulière. Quand je parle de l'onction particulière, je parle de la dispensation. C'est ainsi qu'Élisée. C'est pas pour rien qu'il a dit à son maître, j'ai besoin d'une double portion. Écoutez, Eli était un homme d'onction. Oyeba, Eli azalaka moto e pa quoi? Il a défié les prophètes Baal. A telemisa mon ngeli boso ba sakoli ya Baal. Il faisait descendre le feu. Azalaka ko kitisa moto. Il y a des gens qui sont venus lui dire, le chef a besoin de toi. Allez, le fait qu'on subit ça descend. Ezana batuba ya balobi, mon konja sengeli na balobi. Ceux qui n'ont pas de sang, ils ont quitté, ils ont quitté. Le fils a compris. Pas seulement cette onction. J'ai besoin d'une double portion. Parce que les choses qui vont m'attendre, moi, vont être plus compliquées que celles que je vais. Alléluia. Amen. Et quand tu l'as une portion, une double portion. Devant le Jourdain, il a utilisé le manteau. Mais quand il arrive à Jéricho, on lui dit que les eaux sont amères. Il n'a plus utilisé le manteau. C'est ça ce que Dieu nous demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous sommes restés dans des choses là, voilà,
Apportez-moi un plat neuf. Mettez du sel. Il prend le sel. Il le jette dans ses eaux. Il dit j'assainis ses eaux. Pas le manteau. Manteau c'est sali moussala. Amen. Ah oui, il faut na sali la mungwa. Marche selon la nouvelle onction. Jambola la nisama et pas quoi ya sika. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Ah waouh waouh waouh. Oh, oh. On peut se tenir debout. On continue à la clamer très fort. Quelqu'un qui a besoin d'une onction fraîche, il ne s'élève pas comme ça. Non. Moto ana posa e pako ya sika. A côté les makana bolembu anate. A côté les mananzunzu nyonso. Voilà ce qui te manquait. La force du buffle et une onction fraîche. Continue à acclamer ton Dieu. Toi-même, tu te rendras compte de ce qui va se passer. Continue à l'acclamer. Tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé. Je suis arrosé. Je suis arrosé. La soupe, d'une huile fraîche. Ma foute yasika. Continue à l'acclamer. Kaka kobeta maboko. Continue à l'acclamer. Maboko. Oh Dieu. Oh Zambe. Oh Dieu. Oh Zambe. Tu me donnes la force du Bible. Tu me donnes la force du Bible. Tu me donnes la force du Pakasa. Tu me donnes la force du Pakasa. Et je suis arrosé. De ma sopelingaï. Je suis arrosé. Ma sopelingaï. D'une huile fraîche. Na mafuta ya sika. Ce n'est pas une vieille huile. Eza mafuta kalate. C'est une huile fraîche. Eza mafuta ya sika. Car lorsqu'on fait la révision de son moteur, du moteur de sa voiture, on ne fait pas la révision avec une vieille huile. On utilise une huile fraîche. Allez, monte maintenant. Monte. Mata. Monte. Mata. Monte. Mata les sous-sous. Monte. Mata. Monte. Mata. Monte. Mata. Monte. Mata. Monte. Mata. Yakuba da jukeli ya bosha kambari ya koko bari yuke. Ika bari ya koko bari ya kekekeli ya bakukuru ya basuke. Izanda bari ya bosuteli ya bokukuru bari ya kekeke bori ya bosu. Izanda bari ya kukukuri ya bori suke de lo urusu. Allez, monte. Mata li susu. Monte. Mata. Monte. Mata. Monte. Mata. Oh, ya bouge de ma bouge, ya bouge, ante, ya bouge. Isana, ma ya bouge, ya bouge. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Moto bolembo aloba na zama kasi. Que le faible dise je suis fort. Moto bolembo aloba na zama kasi. Que le pauvre dise je suis riche. Sika mobola aloba na zama osui. Gardons le silence un moment. Nous avons nos mains levées. Tu parles à ton Dieu, mon frère. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin
de cette force du buffle et de cette huile fraîche. Parce que j'ai compris que de grands défis m'attendent dans cette année. Et n'oubliez pas, derrière les grands défis se trouvent cachées des choses glorieuses. Plus les défis vont être grands, plus la gloire sera très grande. Amen. Tu commences une nouvelle saison. Oublie ce qui s'est passé hier. C'est le passé. Dieu dit, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. N'entre pas en 2021 avec cette douleur. N'entre pas avec cette douleur. N'entre pas avec cette haine, cette rancœur. N'entre pas avec cela. Laisse ces choses derrière toi. N'entre pas en 2021 avec des soucis. Laisse des soucis derrière toi. Rentre. Rentre dans une nouvelle année avec une nouvelle saison. Élève maintenant ta voix et parle. Parle et sois sérieux, mon frère. Tu dois faire un nouveau départ. C'est le premier dimanche. Ta première semence est là. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. L'Éternel des armées est ici. C'est lui qui dit dans sa parole. Et tu me donnes la force du peuple. Tu me donnes la force du peuple. Tu me donnes la force du peuple. Seigneur Dieu, éternel des armées, donne-nous cette force du peuple. Donne-nous la force du peuple dans cette maison. Que les gens qui étaient découragés soient fortifiés. Fortifie ton peuple. Fortifie le cœur. Le cœur brisé. Le cœur brisé. Donne-nous. Oh Dieu, mon frère, ma soeur, prie. Prie, c'est la première sémence. C'est la première sémence. En cette année 2021. C'est la première sémence. En cette année 2021. La force du pire. La force du pire. La force du pire. La force du pire. Là où mon frère était découragé, qu'il soit encouragé. Alléluia. Amen. Donne-lui la force. Là où il n'y avait pas de zèle, qu'il y ait le zèle. Donne-lui ce zèle. Là où il n'y avait plus de force dans la prière, qu'il ait la force dans la prière. La force dans la prière. Communique la force dans la prière. Communique la force. Oui, Seigneur de Dieu. Là où il n'avait plus d'espoir. Là où il n'avait plus d'espoir. Que l'espoir naisse à nouveau. Que l'espoir naisse à nouveau. Que l'espoir naisse à nouveau. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Nous avons besoin d'une huile fraîche. L'huile fraîche guérit les blessures intérieures. L'huile fraîche guérit les blessures intérieures. Toi qui as été déçu. Qui a été déçu. Blessé dans ton cœur. À cause de ses échecs. À cause de l'humiliation. L'huile fraîche. Oh, ma foudre sika. Guéris les cœurs. Et puis qui s'accapare pour ta motema. Blessé. Ah. Reçois cette huile. Yamba ma foudoyo. Reçois cette huile. Yamba ma foudoyo. Reçois cette huile. Yamba ma foudoyo. Reçois cette huile. Yamba ma foudayamo. Reçois cette huile. Yamba ma foudoyo. Cette huile. Ma foudoyo. Apporte de nouvelles révélations. Même ma émoni celia sika. De nouvelles révélations. Même l'homme émoni celia sika. Coule en flot. Aesopana. Que les nouvelles révélations. Émoni celia sika. Coule en flot. Oui,
Que des nouvelles révélations puissent couler. Il a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Ayez des nouvelles visions. Des nouvelles visions. Le réveil d'aujourd'hui. Makasi ya lelo.